Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de pouvoir faire encore cette vidéo aujourd'hui. Je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien aussi, les enfants. Alors, nous avons vu la semaine dernière que Jésus était dans une synagogue avec ses disciples. Une synagogue, on a dit, c'est un peu comme une église aujourd'hui, un endroit, une salle où on vient ouvrir, lire et écouter la parole de Dieu. Les disciples, ce sont les quatre hommes qui ont d'abord écouté le message de la voix de celui qui criait dans le désert, Jean-Baptiste, ensuite qui ont décidé de suivre Jésus aussitôt que Jésus les a appelés. Aujourd'hui, les enfants, nous allons voir que les disciples sont toujours là où Jésus se trouve et Jésus est toujours avec eux, même chez eux. Alors, après ce qui s'est passé dans la synagogue, les enfants, où Jésus a changé la vie d'un homme en chassant l'esprit impur, vous vous souvenez? Jésus et ses disciples sortent de la synagogue. Et en sortant de la synagogue, les enfants, toujours dans le livre de Marc, il est écrit qu'ils se rendaient chez Simon et André. Les disciples, en fait, les enfants, ils continuent leur vie avec le Seigneur Jésus partout où ils vont. Jésus les accompagne même dans leur vie quotidienne. Leur vie de disciples ne s'arrête pas à la porte de la synagogue, en fait. Ils mettent Jésus-Christ même dans leur vie de tous les jours. Il y a une vraie relation entre Jésus-Christ et les disciples, les enfants. Une vraie relation de maître à disciple, de serviteur à apprenti serviteur. Et toi, en dehors de l'église, est-ce que tu as une vie avec Jésus? Est-ce que Jésus-Christ a une vie avec toi tous les jours dans ta maison? Dans tout le livre de Marc, les enfants, et même dans les autres livres de la Bible, la plupart des événements ne se passent pas toujours dans une synagogue ou à l'intérieur d'une salle. Les événements se déroulent souvent pour la plupart hors des synagogues. Malheureusement, les enfants, la majorité du temps que nous prenons avec Jésus ne se trouve très souvent que à l'église, dans l'église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la vie avec le Seigneur ne doit pas s'arrêter aux portes de l'église. La vie avec le Seigneur se passe dans notre vie entière et l'église fait partie de notre vie. Ne laisse pas Jésus hors de ta vie. Si ce n'est que le jour où on va à l'église, c'est triste parce que ça veut dire en fait que les autres jours, nous n'avons pas l'occasion de vivre une relation avec Jésus. Nous n'avons pas de relation avec Jésus. Et ce n'est pas ce que Jésus veut, les enfants. Et là, on avait dit que les disciples vont avec Jésus chez Simon et André. Ils sont dans une vie normale, après la synagogue, pour être ensemble, pour passer du temps ensemble. Mais il y a un problème, les enfants. La Bible nous dit que la belle-mère de Simon, la mère de la femme de Simon, est malade. Peut-être qu'on aurait pu se dire pendant la leçon de Irène que Simon suivait Jésus-Christ parce qu'il est célibataire et il a du temps pour cela. Mais là, on voit que Simon est marié et il avait un travail, vous vous souvenez, pêcheur de poissons. L'attitude de Simon était de tout laisser et de suivre Jésus. Et sa belle-mère est malade là. Il n'a pas dit à Jésus, écoute, j'ai pas trop le temps là, ma belle-mère est malade, je vais rentrer chez moi et on se voit plus tard. Si nous regardons ce que Marc raconte dans le chapitre 1, du verset 29 au verset 31, d'abord, ce n'est pas écrit que par rapport à la maladie de la belle-mère, c'est pas écrit que les disciples en discutaient entre eux pour savoir quoi faire. C'est pas écrit non plus qu'ils se sont mis à réfléchir, à s'inquiéter. Non, c'est écrit
Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Aussitôt, dès que les disciples, les enfants ont appris que la belle-mère est malade, aussitôt, on parla du problème à Jésus. Jésus-Christ est là. C'est l'occasion de régler le problème, de lui en parler. Les disciples, les enfants ont une attitude de suivre Jésus et de compter sur Jésus-Christ dans cette situation de leur vie. Est-ce que vous pensez que Jésus peut intervenir? Bien sûr, il est là. Il est capable de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va donc parler d'elle à Jésus. Quand on sait, les enfants, que quelqu'un a un souci, que quelqu'un autour de nous vit des choses difficiles, la bonne habitude, la bonne attitude que nous devons imiter est de les présenter à Jésus dans la prière. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Et pourtant, les enfants, Jésus-Christ savait toutes ces choses. En tant que Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Il était au courant de ça. Ils sont en train de prier Jésus pourtant de faire quelque chose. Parfois, on pourrait se dire quand on a des problèmes, oh c'est bon, Jésus est au courant des choses dans ma vie. Mais si vraiment Jésus-Christ est avec toi, tu lui parlerais de tous tes problèmes. Aussitôt, quand quelque chose ne va pas, chez qui est-ce que tu te tournes en premier? Et ce n'est pas que à l'église que tu dois te tourner vers le Seigneur. Quand on est dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes de tous les jours. Ne laisse pas Jésus hors de ta vie. Dans notre vie, parfois, nous laissons des problèmes parce que nous laissons Jésus hors de nos problèmes. Nous ne les lui en parlons pas et les problèmes restent. Nous essayons parfois de les résoudre nous-mêmes, à notre manière, alors que seul Jésus peut les résoudre. Seul Jésus peut régler nos problèmes, mais du coup, ils ne sont pas résolus. Souvenez-vous, c'est aussitôt qu'ils ont parlé de la belle-mère qui est malade à Jésus. À l'instant, quand ils ont su qu'elle était malade. Et c'est vrai pour tout ce qui est souci, les enfants, pour tout ce qui nous affecte. Aussitôt, il ne faut pas hésiter à en parler à Jésus. La belle-mère était malade, elle avait de la fièvre. Vous savez ce que c'est la fièvre, les enfants? Qui n'a pas déjà eu la fièvre? Tout le monde a déjà eu la fièvre. Qu'est-ce qui se passe quand on a la fièvre? On a la peau toute chaude, on a un goût amer dans la bouche, on est tout mou, on ne se sent pas bien, on frissonne, on ne peut pas sortir du lit. En fait, on ne peut rien faire. Et la belle-mère de Simon voulait certainement prendre soin de Jésus et de ses disciples, mais la maladie ne lui permet pas. Mais aussitôt, on a dit à Jésus qu'elle était malade. Et la Bible dit, les enfants, que Jésus l'a fait se lever en lui prenant la main. Et instantanément, la fièvre la quitta. Vous savez, les enfants, nous sommes comme la belle-mère de Simon. Nous voulons avoir une bonne attitude. Nous voulons faire le bien. Mais nous ne sommes pas capables. Par exemple, la Bible nous dit, ne mens pas. Mais on ment toujours. Ne te dispute pas, mais on se dispute toujours. Par exemple, on fait des bêtises et on est surpris par les parents. Nos parents nous grondent, on demande pardon, mais le lendemain et même quelques temps après, on refait les bêtises. On n'arrive pas à faire autrement. Nous sommes incapables de faire le bien que nous voulons. Nous sommes malades, les enfants, et cette maladie, c'est le péché. Il nous empêche de faire le bien. Il nous empêche d'avoir la bonne attitude. Nous ne pouvons pas guérir les enfants. Et comme ici, tout comme la belle-mère de Simon, c'est Jésus qui a fait, c'est lui qui a guéri, seul Jésus peut nous guérir. Nous avons vu les enfants que Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme pour nous montrer la bonne manière de faire.
pour nous montrer la bonne attitude, pour changer ce qui ne va pas chez nous, pour chasser le mal en nous. Tout comme il avait chassé le démon dans la synagogue, et tout comme il a instantanément réglé le problème de la belle-mère de Simon, il est venu sur la terre pour résoudre notre problème de péché. On a vu qu'il avait la bonne attitude. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il est mort à la croix, les enfants, pour que nos péchés soient enlevés. Il a versé son sang sur la croix parce que c'est son sang qui lave nos péchés. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il est revenu à la vie aujourd'hui, le Seigneur effacera tes péchés. Est-ce que la belle-mère de Simon, une fois que la fièvre est partie, est restée allongée dans le lit? Eh bien non, la Bible dit qu'elle a servi Jésus. Alors, tout comme elle a pu servir Jésus-Christ, quand Jésus-Christ aura réglé le problème de péché, tu seras également capable de faire le bien. Il te donnera la capacité de changer d'attitude. Jésus-Christ, instantanément, peut changer quelque chose. Quand Jésus-Christ parle, le démon est chassé. Et quand il sort de la synagogue, il chasse ce qui empêche la belle-mère de Simon de servir. Jésus-Christ ne change pas, les enfants. Il reste le même. Il va faire la même chose. Ce n'est pas la synagogue qui a fait que Jésus a un pouvoir spécial. Jésus reste Jésus dans la synagogue, hors de la synagogue, chez nous ou hors de chez nous. Il reste Jésus. Jésus-Christ, c'est celui qu'on doit suivre. Où que nous soyons, il reste celui sur qui nous devons compter. Ne laisse pas Jésus hors de ta vie. Il faut bien rester avec le Seigneur, les enfants. Nous qui suivons Jésus, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas le perdre de vue. Parce que si nous le perdons de vue, peut-être que des problèmes qui pourraient être résolus instantanément, eh bien, seront des problèmes qui vont rester, qui vont durer. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas perdre de vue les enfants? Ne pas perdre de vue le Seigneur Jésus. En fait, dès que vous avez entendu la parole de Jésus-Christ, que ce soit à l'église ou même ici sur YouTube, ne la laissez pas à la porte de l'église. Ne vous contentez pas de l'entendre. Faites repasser jour et nuit cette parole dans votre cœur et appliquez-vous à la vivre dans votre quotidien tous les jours de votre vie. Le verset que nous allons apprendre aujourd'hui, les enfants, c'est dans le passage de notre histoire. C'est dans Marc chapitre 1, verset 30. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Elle, c'est la belle-mère de Simon. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Marc chapitre 1, verset 30. Alors, vous vous souvenez du chant « Comme il veut » Les enfants, on va le chanter. Vous pouvez le chanter chez vous. Je vais vous le mettre. Et j'espère que vous chanterez bien. Chez vous, je vous le connaissez bien maintenant, je pense. Malgré tous les efforts que je fais, mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste. Pourquoi je dois passer par là? Mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai
Et voilà, je vous dis à bientôt, les enfants.